Salut à tous, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui sur The Last Campfire. Alors, on va continuer l'aventure qu'on a commencé la dernière fois. Vous vous souvenez, on a trouvé quatre braises mélancoliques, les quatre principales. Il y en a trois en plus à trouver, c'est les trois bonus pour faire à 100%, je suppose, mais ça me semble évident. Et donc, il nous les manque. On a pas trop avancé là-dessus. Il y a juste deux trucs. Deux trucs. En montant la vidéo, j'ai remarqué deux choses qu'on n'a pas faites. Donc, tout de suite, je vais vérifier. C'est ça. Ça, j'ai vu qu'il y avait une action possible. Alors, je ne l'avais pas vu la première fois. Donc, on va le tester tout de suite. Est-ce que ça va nous débloquer quelque chose? Eh bien non, ça ne débloque strictement rien, ça commence bien. Donc ça ne nous aidera pas, on voit des belles fleurs, c'est bien. Et j'ai vu autre chose, j'ai vu un passage où on n'a pas été. Alors qu'on est passé devant 50 000 fois, on n'a pas été. Donc on va y aller tout de suite, on va voir si ça nous aide. Il est beau ce jeu, il est vraiment beau. C'est hyper mélancolique, c'est beau. Le passage, il est là. Vous l'aviez vu, vous? Je ne l'ai pas vu. Hein. Tiens, on va lui parler. The traveler said, you sailed in here. Where's your boat? Friend, you need a boat. C'est un bateau. We'll see the builder in the caves. Tell them I'm sorry I never came back. Bon, il y a un ouvrier dans une grotte. A priori, le passage continue. Ouais, il y a quelque chose là. Allez. Ça sent le puzzle. Une voix solitaire. The stranger had blazed their own path. Bon, allez, on observe un petit peu. Alors, ça fait monter là, mais si je le mets là. Created their own rock, their own islands. On peut passer par là. Oh, ça a l'air assez simple. On va prendre ça. Là. On va mettre ça là. Laissez-moi réfléchir. J'ai dit que ça avait l'air assez simple. Mais si je retire ça, ça baisse ça. Ouais, j'ai compris. They did not need Ember's kindness. Lui, on le reprend. On le met là. But still, Ember stayed. Building a bridge should it ever be needed. Il va là. Et je pense que c'est bon. Et oui, parfait. Bon, c'était facile. Une nouvelle braise mélancolique. Plus que deux. Plus que deux. The stranger met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. On va lui parler. The stranger met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. Alors, est-ce qu'il ne faut pas retourner au niveau de la grande flamme? Eh, c'est possible. Il leur parlait à tous, on leur a pas tous parlé. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle, déjà? The traveler said,
Oui, c'est l'histoire du bateau. Go see the builder in the caves. Tell them I'm sorry I never came back. Ouais. Bon. On va aller retourner sur le lieu principal. On va bien trouver quand même. On est bloqué. Non, on n'est pas bloqué. C'est quoi ça? Non, ça on peut pas l'activer. Ok, bon allez, on y va. Le pêcheur, il voudrait pas nous donner une canne à pêche pour la clé là ou... Non, il veut rien nous donner. Hein. If you need help catching anything, you just ask. Bah, j'aimerais bien te demander, mais visiblement tu ne veux pas. Demande-moi, mais la canne à pêche, tu veux pas me la donner pour aller récupérer la clé, vous vous souvenez hein. Il y a un corbeau qui a acheté une clé. C'est une histoire hyper compliquée. Allez voir la première vidéo. Vous verrez. Ouais, on a donc bien débloqué. Hop. The ghost said, speak and I will listen. Allez, on va lui demander un peu d'aide. West of here, a cruel stone compound, locked away without a key, an ember turned forlorn. Ouais, je pense qu'il parle de l'endroit où le corbeau a acheté la clé, mais on n'a rien pour attraper la clé. With tears, the stranger said, I had forgotten what warmth feels like. On va parler un peu à tout le monde. The stranger said thoughtfully, I felt so alone. I was so lost. Ça ne vous aide pas des masses, hein, tout ça. The stranger thought, I feel ready to move on. The stranger said, take care of those you care about the most. Mais il faut m'aider pour ça. Bon allez, on retourne là-bas. On a dû louper un truc. Est-ce qu'il y a des choses par là? Non. Donc, à l'ouest, mais je pense que... Puis il y a celui qui nous regarde, là, quand on passe par là. Ouais, lui, là. Il est là, le truc mélancolique, mais la clé... The old gate was locked. Oui, non, le parchemin, ça va pas le faire. La clé, elle se trouve dans l'étang. Mais comment on peut l'attraper, cette clé? Comment? Key was nestled between the reeds. But it was just ouais, elle est là, hein. Je sais pas, plonge. Je veux pas plonger. Le pêcheur, il veut pas nous prêter de canne à pêche. Je suis sûr que ça nous aiderait. On va faire un petit tour des lieux. On va louper un truc. Mais quoi? Tiens, le feu, je l'ai pas vu. Ah. Ah, ah, ah. Pour la clé, ça va pas nous servir à grand chose. Mais par contre... Allez voir le pêcheur avec ça. Bon, il n'y a pas de rapport. Le corbeau. Brûler les... Eh oui! Brûler les roseaux. On va pouvoir passer. Mais bien sûr. Incroyable. Oui, étoile d'araignée. Il va pas bien, lui. Hein. Mince. The broken net hung ominously around the skeleton's neck. C'est un filet. Ouais, sauf qu'il est cassé, donc la clé, à mon avis, c'est Martibus, hein, avec ça. Oh. Nouvelle énigme. Ouais. On se concentre. Alors ça... The stranger shivered in the cold. Dommage.
Ça fait du vent. Voilà. Donc là. Si on fait ça, ça fait quoi? They'd moved through such dark places. D'accord. Ok, ok. Donc ça, je pense, on peut prendre. Et on va mettre le feu là. Là, on va réactionner le levier pour que ça passe de l'autre côté. They lay down and close their eyes. Ça a l'air assez simple, hein. Par contre, là, on peut rien prendre. Faut aller reprendre. Ah, ouais, mais comment on va faire? Parce que le vent va... C'est sûr, hein, va éteindre la flamme. Was a distant memory stolen by the. Alors, est-ce qu'on peut la rallumer là? Eh ben oui, on peut la rallumer. C'est facile, monsieur bien ça. Ah, ça fait deux en peu de temps. On est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer? Déjà, c'est une boîte mélancolique. Hein. The stranger blinked at Embo. Is it morning already? How long have I been asleep? Allez, on continue. On a pété par là. Là, on va juste détruire toi le dernier pour le plaisir. Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ah bah oui, c'est un passage en fait. Ah, j'avais quand même vu quelque chose de bizarre. Ok. Donc là, on est... Il nous en manque plus qu'un, c'est la clé. Et on va aller voir le pêcheur. Il va peut-être nous aider là avec notre épuisette trouée. Je pense que c'est ça. Sinon, je sèche. Hein. Je vois pas du tout. Alors, on est moins fatigué que la dernière fois. Ouais, là, il y a un petit bug. Hop. C'est pas grave. Et je pense que... La grenouille. On l'a laissé là, la grenouille. Bon, ouais, très bien, là. Voilà. J'ai besoin d'aide. C'était ça. Le fisherman noticed the broken net Embo was carrying. Let me have a look. See what I can do. With a silk thread, the fisherman carefully knotted it together. Bah, et voilà, il sert à quelque chose. A net began to form. Here you go. Good as new. Super. Allez. On va aller récupérer cette satanée clé avec ce satané corbeau qui nous a bien embêté. Allez, tout ça, c'est à l'ouest. Et on va finir le monde. Hein. Si tout se passe comme prévu, si on ne sait jamais... Hein. Méfions-nous. Par contre, ça, on pourrait le brûler aussi. Hein. Ouais, attendez, on va le brûler. On s'enflamme. Hein. Genre, c'est fini, mais... Non, 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 c'est pas encore fini. Ça. Parce qu'il y a un truc à aller chercher en haut.
Ça, on le dépose. Hop. On va mettre le feu à la forêt. C'est magnifique. On va avoir des problèmes. The Wanderer's Diary. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un journal. Le journal du vagabond. Unfamiliar trees, a path overgrown. Is this a resting place? A place between places? I call out, but mine is the only voice. C'est un truc grand. Est-ce qu'il y a des choses? Il n'y a rien. Hop, on peut en descendre. Est-ce qu'il y avait d'autres roseaux ici à brûler? Peut-être. On fera un petit tour, un dernier tour, pour bien tout checker. Allez, là, on va chercher notre clé. Key was nestled between the reeds, but it was just out of reach. On est une épuisette, la clé. On va la récupérer. Tu vas voir ça. On est des pros, nous. Et voilà. Elle est là, la clé du portail. Tiens. Allez, on y retourne. The old gate was locked. On a la clé alors. Arrête de faire genre c'est fermé. Ember placed the key in the lock and slowly began to turn it. Magnifique. Allez. Ça annonce un petit puzzle là. Siphonnage d'un océan. Ouais. Ça, si on retire, si on met là, ça fait quoi? On peut descendre, ok. Là, on a un levier. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, d'accord. On va aller mettre la statue. Ah oui, mais sauf que... Est-ce que l'eau va revenir ou pas? Non, c'est bon. La statue, elle va là. On va actionner le levier. The sea didn't care if they sank or swam. Ça va là, je suppose. Slowly the tides ebbed, washing over old walls. Ça, on va tout de suite. Ouais, c'est le même principe. Là, je me trompe peut-être, mais... On met ça là. On aurait peut-être dû le... Ouais, on aurait dû le redescendre. Là. Oups, petite bêtise. A safe harbor emerging from the inky depths. Voilà. Ça, bah de base, moi je le mettrai là direct. Ça va faire baisser l'eau. Yep. Ah, et on peut pas le reprendre par contre. C'est peut-être fini en même temps. Ouais, c'est fini. Oh, c'était facile. Hein. C'était très facile. Et la dernière braise mélancolique, mesdames et messieurs. Super. The stranger looked down. The ground feels good beneath my feet, friend. Et ben ça s'est bien passé finalement, ça a été assez rapide. On était plus reposé. Alors on va juste reprendre une torche parce que je me demande si on a bien brûlé tous les roseaux.
J'ai un doute. On va vérifier, puis après on ira sur le feu de camp géant du centre-ville. On a déjà été là. Ouais, c'est avec... y a pas de roseau, c'est sûr. Je pense qu'on a tout fini. Là, on peut pas passer déjà avec ça, d'accord. Ouais, si on peut pas passer sur... Lui, il est intriguant, hein, celui qui nous regarde tout en haut. Bon, là, il est plus là, mais... C'est pas rassurant. Est-ce qu'on a encore la torche? Ouais, on a encore la torche. Alors, on va aller faire vraiment un tour complet. Là, on voit plus rien. On va monter. Il me semble qu'il y a des petits coins. Alors, est-ce que par là... Je ne crois pas. Hop. Mais ça, je l'avais pas vu, hein, dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. Hein. C'est dingue, hein. Parfois, on passe à côté de choses... On voit rien, alors que c'est évident. Ah, par contre, on peut pas monter les marches, ok. Est-ce que là, il y a un truc? Là, on va retourner. Ah, là, mais non, ça, on peut pas le monter non plus, ok. Bah, écoutez, hein, je crois que... On avait tout cramé, hein. Non, on va pas tout cramer. Qu'est-ce que je dis? C'est honteux. On peut pas passer. Mais je pense qu'on a tout bien fait. On va aller finaliser tout ça. Ici, on a tout. On a les 7 braises mélancoliques. Tiens, on met un peu de feu là-dedans. Ça fera du bien, ça va la raviver. Allez, on valide. The ghost said, "You have done all you can, little one. Your journey lies ahead. Little one, your journey ahead will not be easy. The path to leave this place is blocked. I will guide others to follow. After you clear the way." Eh bien voilà. There are others like me who can help. You will always be welcome here in the forest. Le monde de la forêt est donc terminé à 100%. On va passer dans l'autre monde. Et puis après on s'arrêtera. Ce sera une vidéo un peu courte. L'autre était un peu trop longue. Entre les deux, ça ferait une moyenne. Mais au moins, on a tout fait dans ce monde. Ça, c'est chouette. Once again, Ember could feel eyes watching. Il nous observe. Ember approached the forlorn, but felt it was different. They said, "I know what I need to do. I don't want to be helped." Ember could not help. Not all problems were puzzles to be solved. Mince, on aurait dû aller faire un petit tour à gauche. J'espère qu'on pourra retourner.
L'intersection. Bon, on redescend, on va juste aller voir ce qu'il y a à notre gauche, parce qu'on n'a pas été. Et après, on va stopper là. Ouais, il y avait un petit truc à voir. The Wanderer's Diary. The oily smell of frogs. They know more than they will say. They watch me watching them. D'accord. Bon, on stoppe ici. Ça me semble bien. Ouais, l'épisode sera court, mais c'est pas grave. On a trouvé les trois braises mélancoliques qui nous manquaient. Ça permet de finir la forêt à 100%. C'est bien, je trouve. Et puis, on fera la suite la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Alors, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique. Et puis, de toute façon, on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao, ciao!